Ici, on a les schémas pour l'atelier de surf. En fait, le premier schéma, c'est la pagaie. C'est la position de base qui commence chaque mouvement. La pagaie, c'était pas très compliqué. Les genoux dans les airs, à plat ventre sur une planche. Les jeunes se déplacent à l'aide des bras comme s'ils nageaient dans l'eau, mais ils se propulsaient avec l'aide des mains au sol, des bras et des mains au sol. Puis ensuite de ça, quand les jeunes avaient du momentum, quand les jeunes avaient assez de vitesse, ils devaient essayer de se mettre en différentes positions. La première position, c'est à genoux. On pagayait. Quand on était capable d'avoir un air d'aller, les jeunes se mettaient sur les genoux. C'est la première étape. Deuxième étape. La même chose, on commence par la pagaie, on a un momentum, un air d'aller. Au lieu de se mettre sur les deux genoux, on met un pied et un genou sur la planche. Et puis le troisième défi, c'est le plus difficile. L'élève partait en pagaie avec le momentum et la vitesse, mais il devait essayer de se lever d'un seul mouvement et de se mettre en position petit bonhomme.